Game à... Je suis coincé depuis 3 jours. Si vous pouviez m'aider à sortir. Mais comment avez-vous fait, Pipi? Je peux faire par moi. Comme vous voulez. Mais que diable faisiez-vous dans une cheminée? Vous êtes là pour pas ou pas? Pour vous m'aider. Et puis zut, je ne suis pas là pour juger. Ouf. Enfin, merci Margaret. Une chance que vous passiez par là. Je me baladais un peu avant de rejoindre les enfants. D'ailleurs, comment vont Jacques et Michael? Vous voulez dire Jackie et Michel? Non, vous ne vous occupez plus de Jeanne et Michael. Non, non, de Jackie et Michel. Très charmant d'ailleurs. Bon sang, ça a bien changé. Tant de souvenirs que nous avons ensemble. Vous vous souvenez de notre première rencontre? Oui, près du lac. J'étais tellement enchantée. Et moi, j'étais bourrée et je me rappelle que je voulais vous dire bonjour, mais que la seule chose qui est sortie, c'est... Oui, je m'en rappelle. Et vous, vous étiez mis à préparer des cocktails. Ah oui, je m'en souviens, je vous en avais préparé un. Vous l'aviez aimé? Ok, oui. C'est vrai? Non, j'ai failli vomir. Mais peu importe. Et oui, c'était longtemps, très longtemps d'ailleurs. Ça vous fait quel âge en fait? Voyons, ne soyez pas grossier. C'est mal élevé de demander l'âge d'une dame. En plus, je ne suis pas si vieille. À votre avis, quel âge j'ai? Vous l'avez dit, ça ne se fait pas de dire l'âge d'une dame. Mais d'après mes calculs, j'irais que vous étiez dans la même classe que Moïse le prophète. Écoutez, j'aimerais vous parler de quelque chose. Eh bien, je vous écoute. Nous sommes certainement le seul couple Disney évident. Nous sommes aussi le seul à n'avoir jamais conclu. Que diriez-vous enfin déclarer notre amour au grand jour? J'ai peur de ne pas vous comprendre. Embrassons-nous, laissez-moi danser avec vous et ramenez votre cheminée. Il est tard, je dois partir. Je ne vous coupe pas, c'est ça? Je préfère ne pas en parler.